Voilà, donc là, j'ai lancé, comment il s'appelle déjà, Celeste Mario's Zap and Dash, donc un ROM hack qui est sorti le 5 juillet 2023, c'est tout récent. Donc là, on atterrit déjà sur cette page pour dire que bon, bah, c'est pas à vendre, hein, etc. Il faut juste apprécier le jeu et supporter les créateurs. Donc c'est fait par W7N, c'est lui qui est, on va dire, qui a produit ça, et puis je pense qu'il y a d'autres personnes également qui l'ont aidé. Et on est sur Support NES. Alors, j'ai déjà lancé ça, voilà. Salut Spaskila, comment ça va? Tout ça, mais au boulot. T'es au boulot? Ah merde. Tu bosses le samedi soir? Bon bah bon courage. Et donc voilà, on est sur un ROM hack qui est sorti tout récemment, donc sur Super Mario Bros. Mais vous allez voir, c'est du Céleste derrière. De toute façon, la musique, tout ça, vous allez reconnaître. Et le gameplay, c'est vraiment très proche du Céleste, de Céleste. Et c'est juste hallucinant qu'ils aient réussi à faire ça pour la NES, quoi. Ah, t'es en vacances, ok. Ça marche. Alors je vais faire New Game. Et donc il va y avoir l'introduction au début. Donc voilà, je joue Mario. Donc il y a deux boutons, hein, comme sur NES. Un bouton de saut et un bouton de dash. Juste que on peut pas courir plus vite. C'est pas un gameplay à la Super Mario Bros. Et du coup je peux pas sauter plus haut que ça. Ça faut le savoir au début, ça surprend un peu. Mais l'autre bouton servira pour les dash et vous comprendrez. Donc là, on nous explique, hein. Enfin, on nous explique. C'est un petit tuto pour savoir un peu ce qu'on peut faire. Donc les échelles, hein. D'ailleurs, c'est excellent comment ils montent et descendent super vite. Ça fait plaisir. Et on va avoir des power-ups comme ça au fur et à mesure. Donc le wall grip qui permet donc de s'accrocher au mur. Donc là, on nous explique qu'il faut faire une diagonale en avant et vers le haut pour s'accrocher à un mur. Et qu'on peut donc faire haut et saut. Et A pour sauter, faire un wall jump, ou alors un wall kick si on reste sur le même mur. Donc il y a des points de sauvegarde. Voilà, comme vous voyez, donc hop, là je peux m'accrocher, donc il y a un petit compteur qui est en bas. Quand ça atteint 0, ça utilise un cœur, et quand il n'y a plus de cœur, en fait on tombe. C'est l'endurance, quoi, il n'y en a plus. Et on utilise un cœur quand on fait plusieurs sauts, enfin un saut sur le même mur, quoi. Voilà, il y a une étoile également, vous verrez ce que c'est. Donc là, on nous explique un peu comment l'utiliser, enfin expliquer, on nous entraîne, quoi. Le air dash, bon bah voilà, le fameux dash ou qu'on fait avec B. Et là, voilà, on peut faire un petit dash, donc c'est l'étoile qui est en bas. Et là, ça fait vraiment penser, bah, forcément à Céleste. Bon, déjà, la musique au fond, hein, c'est du Céleste. Et donc, on a les cristaux également pour redonner le dash. Hop, alors également, on a des murs cassables qui se voient un peu là sur le côté. Et on a des lunes comme ça. Alors c'est pas une lune, c'est une lune fracturée en fait. Si on saute dessus, on aura des fragments qui vont se mettre dans l'écran. Et donc si on récupère tout, on gagne une lune. Et ça correspond aux fraises dans Céleste. C'est un peu, c'est ça, c'est parce qu'il a. Hein. C'est Mario au pays de Céleste. Donc il va y avoir des références, des choses comme ça. C'est assez rigolo. Donc là on est toujours encore sur l'intro. Hop. Et voilà. Là on va commencer. On va commencer donc les vrais niveaux. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est bon. Là, on commence. Alors déjà, bon, il y a des secrets également à trouver, comme ici, à gauche. Hop, là, il y avait une lune. Je connais pas tout secret. J'ai fait jusqu'au deuxième point de sauvegarde, et après, je connais pas. Et en bas à droite, alors, je sais quel bouton, ça doit être Select, non, Start. On a une map. Donc, on aura une map où... un peu la Super Metroid. On essaiera de tout visiter et on peut se téléporter justement au point de sauvegarde qu'on fait. Donc c'est plutôt cool ça. Voilà, bon bah forcément je connais un peu le début, hein, je connais un peu les petites astuces à faire. Donc là par exemple, là, je crois qu'on peut pas y aller. Ouais, parce que si on saute sur le même mur, on va un peu en arrière et donc là on se prend les pics. Donc on reconnaît un peu là les... c'est pas des ennemis quoi, mais c'est ce... des espèces de tombes qu'il y avait dans Céleste également. Ok, donc là c'est bien. Donc faut reprendre pied, enfin pour regagner le dash, il faut poser pied au sol. Là on utilise les cristaux pour donc redonner un dash. Et on va voir, voilà, là c'était un petit passage secret, bon il se voyait bien quand même, où on va avoir
d'autres chemins qui peuvent être assez compliqués. Et en général, c'est pour choper une lune, quoi. Enfin, j'aurais pas dû. Faut pas que j'utilise le dash là, à cet endroit. Il faut que j'attende qu'il se ramène. Ah ouais, en fait, j'ai pas besoin de dash, quoi. Voilà. Là, il y a la lune. Et ici, il y a un petit raccourci pour qu'il nous ramène au début. Et donc, sur la carte, bah, ça s'affiche au fur et à mesure ce qu'on parcourt, quoi. Si on fonce dedans, ça permet de détruire les ennemis. Là, on voit également qu'il y a... Dès qu'il y a des murs un peu fissurés, faut pas hésiter à dasher dedans, il y a forcément un truc. Là, ok, ça... Ça va enlever la plateforme en dessous. Là, l'EP qui va transformer les blocs en pièces. Ce qui fait que là, on va pouvoir y aller. Sauf que, voilà, il y a les pics. Alors, je pense qu'il faut pas les... Faut pas faire disparaître les blocs. C'est comme ça que j'avais fait, sauf qu'il va falloir aller vite quand même. Ah merde, Ah mais je crois que c'est validé parce qu'en fait j'ai pris... Ouais, en fait quand on prend une lune, si on prend appui sur un sol, c'est validé. Et là du coup c'est bon. C'est pas de manière propre de l'avoir, mais ça marche. Alors ça c'est des jumelles, si on appuie sur O, donc on les utilise. Et ça permet de voir un peu bah, l'écran en cours. Tout ce qu'il y a, donc en bas à gauche il y a un chemin et c'est tout peut-être en haut mais c'est pas sûr. Alors je vais faire comme ça. Attends, je me rappelle plus trop là. Merde, putain, je me suis bien rattrapé. Oh, faut que je garde le dash ou alors j'essaie d'avoir l'autre là. Ah non, l'autre c'est pour revenir. Donc non, faut bien faire ça. Attends, hop, hop. Je me rappelle plus. Attends, c'est quoi ce bordel? Est-ce que je peux aller là? Je pense que oui. Ok, voilà. Peut-être que je continue là plutôt. Alors, je sais pas si ça va devenir très compliqué le jeu. Je suppose que oui, quand même. Mais bon. On verra bien. On verra bien jusqu'où j'arrive à aller. Alors, évidemment, il y a des aides. Donc là, ils disent qu'il y a un énorme trou là que je dois traverser. Mais qu'on peut donc utiliser un trompe pour traverser. Et que si je saute au bon moment, bah je vais gagner. Je vais faire un grand saut quoi. Comme là, par exemple, hop, je vais t'envoyer, puis hop, là, j'ai fait un énorme saut grâce au mouvement du twomp. Voilà, petite sauvegarde, et en fait, là, bah, à partir de là, je pourrais revenir ici. Ok, c'est la première save room. J'étais arrivé jusqu'au second et je m'étais arrêté là. Voilà, ils expliquent, hein, donc que si on fait pause, on voit la map et qu'on peut se téléporter sur les save rooms facilement. Et que oui, si on appuie sur B, on peut défiler le texte plus vite. Alors, là il y a une lune en haut. Et puis c'est bon. Salut Ibrinator. Ah bah, ça fait plaisir, il y a quelques personnes qui viennent quand même. ouais, donc c'est un pote là qui m'a fait découvrir ce jeu. Il se nomme Panda, il regardera la vidéo, il sera content. Qui m'a fait découvrir donc ce Céleste, Mario Céleste, qui est sorti tout récemment, là, début du mois. Et qui est juste impressionnant pour de la NES, quoi. Alors attends, si je saute, je fais au saut sans m'accrocher au mur, je serai donc un peu envoyé en arrière, mais c'est un saut neutre, ils appellent ça. Si je mets droite tout en tenant... Attends. Non, c'est exemple EG, c'est-à-dire quoi, déjà en anglais? Je sais plus. Alors, clinging, right? C'est-à-dire quoi, clinging? Climbing, plutôt, non? Bref. Droite, on lui... Hit A. Ah, fais voir, ça fait quoi ça? Ouais, bon, écoute, on verra. Mais du coup, faudrait faire un truc comme ça là. C'est pas très neutre ça.
Ouais, ça doit être un truc de ce genre. Bon, on va se démerder sans. On verra bien. Waouh. Merde. Ok, putain, attends, c'était un peu le bordel là en haut à gauche. J'arrive à aller au-dessus de lui plutôt. Avant qu'il démarre. Oula, j'étais en retard là. Merde. Ah, peut-être des lunes qui vont être compliquées à faire. Bon, c'est pas trop mal, remarque, de faire ainsi. Ouf, putain. J'étais un peu en panique là. Vite, c'est bon. J'ai la lune. Donc les lunes, ça sert à gagner au bout d'un moment un second dash, enfin un slot à côté, enfin au niveau des dashs. Vous voyez en bas là j'ai une étoile, donc il y aurait une deuxième étoile qui apparaîtrait à côté, mais pas pleine quoi, si vous voulez. Ça serait juste un slot disponible, et en fait pour charger les étoiles il faut récupérer les, on peut les récupérer seulement avec des cristaux, mais on pourra pas avoir plein de dashs quoi, c'est seulement avec des cristaux quoi. Et également le fait de récupérer donc toutes les lunes, on aura à la fin du jeu des défis qu'on pourra accéder seulement si on a un certain nombre de lunes. Salut Shazam! J'espère que tu vas bien. Hop, donc là on nous explique la mécanique là, des switches qui peuvent être donc activés également avec les trompes. Attends, je crois qu'il y avait un secret là, ouais, ici. Voilà, un truc qui transformait. Ah voilà, là, faut essayer de récupérer les morceaux de lune. Ah, c'est timé. Ah putain, ah d'accord, il va falloir aller vite. Merde. Oh, putain, attends, comment tu remontes ça, là? Idée alors. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai la lune. Il y en a une autre aussi en dessous. Attends, on va hop, faire ainsi. C'est lui qui doit taper dedans là. Ok, c'est bon. On va pouvoir ressortir par là. Ok. C'est encore un jeu avec des réflexes de ninja et des mains à 20 doigts. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Pour ceux qui connaissent pas Céleste ou autre, ça peut être très compliqué. Il s'active pas, lui? Ah ouais, d'accord. C'est vrai que c'était comme ça. Voilà. Alors c'est quand même bien sympa là, cette petite map là, pour voir un peu ce qui peut nous manquer. J'arrive pas à monter. On va aller ici. Ah là c'est... Oh, wanna be the guy là. Ah salut Panda. J'espère que tu vas bien. T'as raté le début, non, ça va, hein, je commence... Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Bien cool, là oui, non, ça faut le passer avec un dash, hein, les souvenirs. Là, pour l'instant, je connais, là, j'étais arrivé jusqu'au deuxième point de sauvegarde. Et voilà, donc là, j'ai un dash en plus. Donc on peut voir une petite croix, là, à côté de l'étoile, mais je pourrais seulement le remplir quand je trouverai des cristaux, quoi. Et si je l'utilise, ben, je l'aurai plus, il faudra que je trouve d'autres cristaux. Faut redescendre, là, en fait. C'est bon. C'est quoi le lore? Il n'y a pas de lore là. Là, pas du tout quoi. Je trouve la musique super propre en tout cas. Alors il y aura d'autres musiques. Il hein. N'y aura pas que celle-là. C'est quoi ça déjà là? Attends, je sais plus. Bon, on s'en fout. Plus
ce que c'est ce point d'interrogation là. En tout cas ça fait rien quand je dash dedans. Là il y a une lune et j'avais également trouvé un truc, je crois que les blocs... Voilà, là il y avait une autre lune également. Faut pas hésiter à dasher dans un peu dans tout. Alors, ici donc des jumelles, hein, toujours pour voir le bordel du niveau. Alors là il y a une lune fragmentée, là va falloir trouver... Putain mais ça monte vachement haut, c'est normal. Alors attends, donc je tape là, hop je vais à droite, là je tape. Ouais, ça doit se faire à peu près tout ça, donc il y a lui qui va activer en... Ouais, je crois que lui, il emmerde un peu, là. Après, il faudra revenir en arrière. Donc là, ça demande un peu de précision, quand même. Oh, putain. Attends. Donc, faut le provoquer et vite y aller... avant qu'il remonte tout en haut. Oh putain. Non, j'ai plus de lâche. Merde, pourquoi? Ah oui, ah, c'est là. Vache. C'est bon, je l'ai eu. Bon, là, je suis passé à l'arrache, mais c'est bon. Un peu en mode panique. Et là, il y a la notion du vent, donc comme dans Céleste. Les fameux trampolines aussi de l'enfer. Ça, c'est dans Mario, ça. Il y a un truc en haut à droite, là. Ça indique pas, là, sur la map, là. Parfois, faut regarder et on voit s'il y a une ouverture, s'il n'y a pas de bordure blanc. Enfin, de bordure blanche, c'est-à-dire qu'on peut y aller, quoi. Et là, j'ai pas l'impression. Je n'arrive pas à descendre, voilà. Ah voilà, bah c'était ici que je m'étais arrêté. C'était ici, puis bon bah on verra bien. Donc là on nous explique, bah c'est le même texte en fait là. Ouais, c'est le même texte que tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux me TP ici quoi, si je veux. Maintenant je peux quoi. Bon, bah allons-y maintenant. Découverte maintenant. Alors, les blocs bleus s'activent seulement si on dash. C'est amusant ça. Attends. Ça sent l'enfer. Ça y est pas dans Céleste. Hein. Est-ce que tu sais que tu peux sauter et également faire du wall jump pendant que tu dashes? Comme un wave dash, il parle. Oh là là. La technique ça. Ah c'est du wave dash je crois, attends. Tu vois ça? Putain ouais c'est du wave dash, putain on l'apprend ça aussi, ils ont foutu ça également. Putain mais c'est des malades. C'est super dur le wave dash quoi. C'est quoi, c'est des pics ça? Par contre pour passer là. Ok d'accord. Putain, je me suis à moitié envolé, c'était curieux. C'est tendu là, non? Bon, tu descends cette merde là. Je peux pas dasher vers le bas? Ah putain, si. Ah, ils sont cool. Ah, pas là, mais. Ah, ça marche plus ma technique. Ah, si, c'est bon. Ah, ça me perturbe là, ce truc là. Ah mais j'ai pas de dash après. Donc c'est pas la bonne technique ça. Ah mais je peux plus là en fait. Attends mais comment tu fais? Je me suis bloqué là. Comment je peux faire les deux? Ah bah ça marche, si on peut en fait. Putain je crois qu'on pouvait pas. Je crois que t'étais obligé de sauter pour pouvoir dasher vers le bas. En fait non, ça passe. Ah, c'est surprenant ça.
Voilà, c'est bon. Quoi, c'est ça là, fallait faire le saut pendant le dash. Ah putain, elle était bien cette lune, hein. Tu te faisais chier à sauter avant? De quoi, dans l'enclos là? Enfin, là où j'étais coincé? Attendre d'être presque au sol pour faire le dash. Putain. Ah, ça va être bien, je sens. Alors, ok, donc là on nous apprend, comme avec Théo, là, on va récupérer l'objet. Ah, alors attends, il y a un conflit avec le dash. Quand on le chope, ça arrête notre dash, ok. Honte à la manette NES. Enfin, pas honte, mais... On a que deux boutons, quoi. Alors, on peut donc envoyer l'objet avec B. Enfin non, TOS, c'est quoi TOS? C'est lâcher, juste devant. Vers le haut, on l'envoie en l'air. Elle donne, release B. Ah non, c'est bas et B pour le poser au sol. Bon, on va voir, ça fait quoi, juste B tout seul. Ouais, c'est bon. Non, c'est lancer B. Ensuite haut. Et bas, c'est poser doucement au sol. Ok. Putain, ça va être l'enfer. Ah, mais ça passe à travers quand même, non? Oh là là, va falloir s'habituer, hein. Parce qu'il l'envoie pas super loin. Putain, je galère. Ah, c'est bon. Alors, ce qui est bien, c'est que je flotte à moitié aussi avec ce truc. Ah. Putain, c'est que ça commence à demander des techniques un peu hard. Ah, putain, mais oui, ça fait un dash. Faut s'y faire là-haut. Faut que ça soit sur le même bouton. Faut pas trop le choper. Oh, vas-y, c'est pas grave. Faut pas trop le choper en vol, quoi. Ou alors faut vraiment assurer le dash derrière. Putain, ça fait très Metroid là. Putain. Ah. Oh, petit son de Zelda. Secret là, non? C'est génial qu'on puisse faire un wave dash. Ah, il y avait une lune. Ok, donc on peut faire du surf sur les coquilles apparemment. Saut pour en sortir. Je peux traverser donc les pics avec ça. Et je peux pas faire de wall jump en étant dessus, quoi. Ah ouais, je suis d'accord, si on dash sur Carapace qui est en train de... Ou une coquille comme dans Super Mario, quoi. Mario Kart, quoi. On peut les choper. Bon, alors attends, déjà avant... Ok, bon, j'ai pas le choix. Oh, c'est énorme. Ah oui, on se met comme ça. Je m'attendais à ce que ça parte en couille direct. Ah, par contre, j'ai pas de dash. Attends. Non, c'est juste je l'ai utilisé sans le vouloir. C'est pas un truc là, quand même. Non. Ça marche pas là-dessus. Ok, je peux pas arrêter. Wow. Attends. Où il va? Faut le reprendre? Merde, j'ai plus tendu. Ça servait là de... Merde, voilà, c'est parti. Quelque chose là, par la suite. Putain, c'est chaud là, attends, j'arrive pas trop à voir. Merde, c'est vrai. Ah, pourtant j'ai appuyé. Attends, je vais à tout prix essayer de passer avec un saut, mais je peux pas là. Je fasse le dash direct.
passer, c'est un coquille. J'ai vu sur le net qu'on peut utiliser un coquille pour passer. Ah, tu vois, on va appeler ça coquille, hein, finalement. Oula. Oh putain, je fais n'importe quoi là par contre. Et merde. Il s'emballe. Putain, tu me passes ça sans le dash? J'ai fait le con. Bon, bah je galère. Hein. Ok, j'ai fait la même connerie. Putain. Putain, il est chaud là ce passage. Ou alors, je sais pas. Ah ouais, non, mais je maîtrise absolument rien là. Pourquoi j'ai pas fait de wall de kick là? Il est parti aussi loin. Hein. Ah, c'est parce que j'ai plus d'endurance sans doute. Waouh. Non mais la carapace, on peut rien en faire, hein, on est d'accord, c'est juste pour faire un double saut. Je sais pas pourquoi ça saute. Ça saute plus là, attends. Ah, ça y est. Attends, mais c'est super précis là, ce truc là. Et, putain, pourquoi il saute plus là? Je comprends pas. Putain, mais j'ai appuyé une minute avant pourtant. Ah, ça y est. Oh là là, bon, je suis désolé, hein. On va passer, je pense, un bon moment sur cet écran. Mais pourquoi il saute pas? Attends, je comprends pas. Ah, parce qu'il faut faire haut. Oh, ok. Ouais, ça j'ai du mal, hein. Là, ce saut là. Putain, j'ai fait droite. Je vais sauter à droite. Ah, ok, d'accord, ouais. Bah, ça, heureusement. Là, ça aurait été bien chou, là. Ça y est. Oh putain. Eh non, mais c'est ultra hard, en fait. Passer un sacré moment, je pense. Oh putain! Non, non! Cette chance! Allez, c'est bon! C'est un point de non-retour. Ouais, si on pouvait pas donc faire de téléportation. Pure shell skill, ouais! Si tu parles! Alors, switch, flexible, between driving et riding. No checkpoint between. Oh putain, ça sent l'enfer là. Non non, c'est bon. Non, mais je voulais pas taper là-dedans. Je voulais prendre le... Allez. Non. Ok, donc il y a les interrupteurs là. Ça va se péter avec comme ça. Non. Ok, bon, le truc il est parti. Ah, ok. Enfin, ok. À moitié, quoi. Attends, mais je peux emmener la carapace en haut, mais c'est un truc de ouf, là. Oh non, putain, attends, j'accélère parce que c'est insupportable là ces textes. Je comprends pas ce qu'il demande. Hein. Ouais, là, énigme.
Je comprends pas comment tu peux... Comment tu peux emmener le truc là-haut, quoi. Bon, attends, je vais mettre yes, parce que... Apparemment, il y a des choses que je sais pas. Oui, c'est ok, bon, ça, j'ai compris. Tâche, je peux le prendre. Ouais, ça, c'est bien joué. C'est ça, là, ça. Mais c'est chou... Attends, mais comment tu fais? Oh, ça va être infâme de ouf. Oh, ça va être infâme de ouf, mais là, c'est du Mario, là, je sais pas... Je vais galérer de ouf. Ok, ok, bon. Ça, je suis pas très fan, mais bon, c'est comme ça. Ouais, non, mais ça, je vais vraiment être naze. Je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, je comprends pas. Faut déjà arriver à aller en haut. Oh là là, putain, je maîtrise plus rien. Putain, mais t'as pas de dash. Comment tu veux faire? Putain, c'est encore plus dur que Strawberry Jam. Hein. Ah putain, c'est bon. Je savais pas ce qu'il y avait. Oh putain, faut refaire ce truc. J'espère qu'il n'y en a pas trop de ce truc là. Oh putain, j'y... Oh, j'y arrive pas. Je sais pas, il lâche le truc tout le temps. C'est très bizarre. Attends, je vais me mettre en mode arcade. Parce que c'est compliqué. Non! La merde, ça. Voilà, mode arcade, c'est mieux. Bah, comment tu fais autrement? Non, je vois absolument pas l'autre solution, quoi. Et je vois pas absolument pas comment tu peux faire autrement que comme ça, quoi. Tu maintiens B et tu vois le jump à gauche. Ah. Ah ouais, non, mais moi, il me faut vraiment des explications, quoi. Mais comment j'ai pété le truc en bas, là? Je m'en rappelle plus. Ah, ça y est. Comment je sors? Non. Oh, putain. Ce bloc est vraiment à faire disparaître. Voilà, c'est bon. Dépêche. Bah, y a plus les... Ils sont où les autres fragments? Putain, merde. Faut remonter là? Moi, j'ai pas envie de lire le texte là. Attends, mais j'ai fait tout ça pourquoi là? Putain, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre. Ça m'a servi à quoi, là, le truc à droite, là? C'est mort, parce que, apparemment... Ah, quoique... J'ai fait le con. Putain, dommage. C'est vrai que c'est pas mal de déblayer avant. On voit que ça continue à gauche en fait. Ça... Oh merde, bon voilà, c'est raté. Non. Ah, je m'y fais pas. Oh,
J'ai vraiment l'impression de jouer, mais... comme un pur débutant, mais un truc de ouf. Putain, ce bloc de mort. J'espère que dans le prochain patch, il sera dégagé, quoi. Tu peux dasher la coquille. Ah, c'est vrai, quand je suis au sol. Genre là, hop. Exact. Ça, j'ai l'impression que ça me sert à rien en fait. J'ai sauté et ça n'a pas pris en compte. C'est vrai que ça c'est pratique quand même. Pourquoi il a lâché? Mais pourquoi il a lâché ce con? Bon, ça commence à me gaver. Je me cache pas. J'aimerais savoir à quoi ça sert ces deux trucs là. Est-ce qu'il y a une utilité d'y aller? J'ai l'impression que non. Mais pourquoi il a lâché? Enfin, putain, il y a quand même des trucs que j'ai encore un peu de mal à comprendre. J'ai du mal. C'est eux qui vont monter la porte, donc faut revenir vraiment à toute vitesse quoi. Salut Patakes. Ça je pense c'est pour l'autre côté. Oh, putain. Bon, on s'en fout de la petite lune. Si je pense c'est pour l'autre côté en fait. C'est pas pour cet écran quoi. Putain c'est hallucinant. C'est hallucinant, pourquoi il lâche le truc quoi. Allez, casse-toi. Merci. J'insiste avec ça. Bon bah, je sais pas, à chaque fois ils veulent lâcher apparemment. C'est quoi déjà? Ouais, c'est ça. Donc là, faut aller vite. Je maîtrise rien, je fais n'importe quoi. C'est obligatoire là cet écran parce qu'en fait j'y arrive pas. Faut que j'appuie sur les deux en même temps. Oh putain. Ah mais ça c'est vraiment la purge hein, cet interrupteur là, enfin ce bloc. C'est l'unique chemin. La putain de merde. On va s'arrêter là après. Hein. C'est trop dur pour moi en fait. Ah, il l'a gardé là. Ah bah oui, mais. Putain, il faut de la mémoire aussi. C'est le bordel. Attends, je fais de la merde. Voilà, faut se mettre dedans avant de descendre. Bon, il a pas sauté. Bon, on sort de là, ça sert à rien. Je sais pas, peut-être je suis pas trop dedans là. On va dire que c'est ça, ouais, je suis absolument pas dedans. Parce que je fais tout le temps les mêmes erreurs. J'espère que ça va aller mieux bientôt, mais là, putain, j'ai du mal à rentrer dedans là, clairement. J'ai sauté. Je comprends pas trop le saut avec la carapace aussi. Pourquoi je galère là? J'arrive pas à sauter en fait. Ou alors je suis obligé de faire haut et saut. Ah putain. Bon voilà, j'ai trouvé la méthode. Alors, faut le faire en même temps, tu dis. C'est-à-dire que j'ai besoin de lui alors. Monte avec lui. Je m'en rappelle plus. Je sais plus comment on monte avec lui. Attends, s'il y a un truc comme ça. Oh, c'est trop technique pour moi. Hein.
C'est trop technique, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie. Les box là, j'en peux plus en fait. Ils m'ont saoulé là, enfin surtout celui du bas là. Il m'a refroidi pour le reste quoi. Non, bah faut que j'arrête là. C'est une mauvaise foi quoi, mais putain, c'est. Ah, mais en fait, ça passe. Mais tout à l'heure, j'avais essayé ça, je passais pas. Oh, je comprends rien à ce que je fais en fait. Hein. Allez, allez, ça recommence. Je comprends pas pourquoi ça. Attends, mais. Non, mais je suis obligé de me mettre en mode arcade, hein. J'y arrive pas sans quoi. Il faut vraiment trois mains quoi pour ce jeu quoi. Ah, ça y est. Ouais, je suis vraiment. Là, quand je joue en mode arcade, c'est-à-dire, bon, vraiment, enfin. Je sais pas comment expliquer ce que c'est le mode arcade. Oh, je peux pas descendre. Putain. Oh, le pire écran quand même. Attends, comment faut faire déjà? Je sais plus. Tu dashes vers le bas. Ah, mais sans. T'as pas besoin de la carapace? Ouais, d'accord. Faut qu'il m'explique ça. Si je sors, la porte elle se referme ou pas? Parce que j'aimerais trouver là, cette énigme là avec la lune. Ah, je crois qu'il fallait obligatoirement. Ah, ok, bon, bah, laisse tomber. Trois scènes d'autre fois. Ah, c'est bon. Alors. Ok, là tu sautes, tu t'accroches. Là, ça ressemble à du pur céleste. Et on fait un dash à droite là, vraiment? J'étais super en retard. Ouais, j'ai dû faire un saut de trop. Je pouvais plus m'accrocher. Ok. Putain, ça m'a quand même calmé là, les carapaces. Hein. Bon, maintenant, ça y est, j'ai compris. J'ai un peu mieux compris le gameplay avec. Mais putain, il a fallu le temps. Ça y est, on commence à avoir des écrans de 500 km là. On est sur le Strawberry Jam. Alors, je sais pas, on va faire un peu au pif. Ça sert à quelque chose les pièces? Ah! Oh, j'ai chopé quoi là? J'ai l'impression que j'ai pris un cœur brisé. Merci. Non mais je vais me calmer là, c'est bon, ça va aller mieux. Tiens, j'ai chopé une pièce Mario. Attends, il y a un truc en bas là. Ok, donc là il y avait une lune. Ça compte pour. Quoi, ça me fait une pièce ou pas? Ouais, deux. C'est dans Super Metroid ça, le X-ray scope. C'est plus sur Select, donc je peux voir des blocs. Ah, putain, ouais, c'est vraiment pareil. Des blocs cachés, des passages. Ah, tu laisses appuyer. Ah, à gauche, ouais. C'est rigolo ça. Ah, donc il y a une lune là. Ah bah ça va être super bien là pour chercher les secrets là. Ah, ça c'est cool qu'ils aient fait ça là. Oh, un QR code. Ouais, sauf que là j'ai pas d'appli, j'ai rien là. Alors, l'art du dashing.
Alors si je fais... Ah ouais d'accord, là c'est vraiment comme dans Celeste, les super dash, là c'est... Ouais, tu fais un dash au sol et tu sautes. Et ensuite t'as le hyper, qui ressemble à wave dash en fait. On fait vers le bas et puis on saute derrière et là on fait un grand saut. Le wall bounce, donc c'est au bord d'un mur, contre un mur, tu dashes vers le haut et tu sautes. Ça marche pas le super là. Sinon ça marche quoi en tout cas. Ah tu t'as testé Panda pour le QR code. Une recherche sur un truc japonais. J'ai pas capté la référence. Capté la référence si quelqu'un connaît. Ah, j'ai pas le portable sur moi, je peux pas scanner. Pretty Witch, Anna, tu vois, ça me dit rien. Oula. Ah oui, là c'est Metroid là. Voilà. C'est énorme. Oh, il y a un Koopa là. Ah bah c'est la musique de Super Metroid. En 8 bits, hein, sympa. Ah, il y a une lune en haut. Ah, bah. Ah, je vous dis, hein, je vais scanner souvent, je pense. Putain, je sais pas où il mène lui. Oh là là, putain, il va aller en haut lui. Fait peur. Je pense qu'il y avait que ça. Non, ça sert à rien que je fasse ça. Très très bien. Peut-être pas forcément besoin là de. Ah, on peut pas dasher dans leur gueule. Ah merde, par contre, carapace quoi. Tu t'es arrêté là, d'accord. Bon bah là, ouais, tu vas découvrir. Bah ça va te spoiler un peu, hélas. Putain, bon ça va, je me suis calmé, mais j'étais un peu remonté là tout à l'heure. Après, bon, c'est habitué, j'ai envie de dire. Non mais ça c'est dans Super Mario Bros 2 là, ces trucs là. Ah mais ça représente les espèces de blobs là dans Céleste. Ça bouge comme ça. Par contre c'est le bon chemin ça ou... Est-ce qu'il y avait un autre chemin en bas là? Ah non. D'accord, c'est un trou. Ouais putain la box radio ça m'a... Je crois que c'est le truc qui m'a le plus saoulé quoi. Oh merde. Attends je peux faire ça. Et ça, normalement un checkpoint c'est bon là. Je réapparais là. Petite lune là, on va quand même se la faire. Ah, j'ai tenté le wall bounce, mais attends. Ah voilà. Putain, donc ça marche bien ça aussi, putain, mais ils ont vraiment tout fait quoi dans ce jeu quoi. Faut bien avoir le coin. Par contre, putain, attends, mais c'est chaud là en fait. Faut un appui là. Parce qu'en plus, faut que je dash là à la fin. Comment je regagne un dash là? Attends, si je fais ça, ça, hop, 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 hop. Oh, en fait, faut que je fasse tout en saut. C'est style quoi. Oh putain. Je vais essayer à droite. Ah, c'est pas évident ça. Ah, et puis là, faut pas le rater ce saut. Oh putain, j'ai hésité. J'ai chié. Ah, dommage. Oh putain, je l'avais. Calme-toi. Merde, je me cogne. Voilà. Yes. Et salut, c'est Fontaine. Comment ça?
Quel Goomba? Il y avait un Goomba? Merde, j'ai pas vu. Ah là! Ah oui, il est pas mal! Ah bah là, c'est pas le Goomba de Super Mario Bros 1, là. Voilà, il y a un peu de vent, là. Comment je... T'entends, je peux aller dessus, là? Je peux aller dessus. Ah! Allez, il fallait s'attendre à ça. Putain! Alors, je sais pas ce qu'il a fait, j'ai l'impression qu'il a à moitié bugué. C'est pour revenir, là. Bah ça va, ça va. Ça va mieux, hein. J'ai un peu pris la tête avec le jeu. Il y a 10 minutes, quoi, mais ça va. Maintenant, ça passe mieux. Enfin... Pour l'instant. Bon, ça va, ces trucs-là qui bougent... souvent la vitesse... Oh, il y a deux lunes. Donc ici, il faut y aller avec un dash. Là, cette... Mais... Oh putain, attends, comment tu fais? Mais il faut un double dash, là, il n'y a pas un cristal? Ah si! Il va falloir gérer avec le double cristal. Attends. Je l'ai paumé. Tu me dis quoi, toi? En respiration, donc... Comment ça, c'est le premier challenge pour la lune? Enfin, challenge pour la première lune. Qui demande donc stacking dash. Ok, donc c'est bien ça. Il va falloir stacker les dash grâce aux cristaux. Il a même demandé si j'avais assez de lune pour avoir pour pouvoir avoir plusieurs dash. Donc là c'est le cas, j'ai quand même deux slots en plus. Par contre... ouais, c'est comment je vais le conserver le truc. Donc ça a l'air d'être bien en tout cas. Putain, ça a l'air chaud là ce qu'il demande. Ah, ok. Il n'y a pas un petit secret sinon? Alors, salut Ganonouch. Parce que là je l'utilise, mais ouais, je le récupère pas, quoi. Ah, puis en plus là j'en ai besoin là. Ouais, je dois vraiment en avoir deux là, ici. Et je pense que j'ai un saut de trop là. Si je tente. Ouais, j'ai un peu de mal à voir là, comment ils veulent que je fasse. Déjà, je vais tester là. Ouais, y a pas de secret là. Parce que là, je saute à gauche. Je saute à gauche. Ouais, c'est déjà mort. Christelle, il revient comment en fait? Bon, bah, je sais pas. Celui-là, il est... Je le trouve balèze, là, celui-là, à voir. Ouais, j'ai essayé. Hein. Et attends, est-ce que je peux juste ne pas le prendre? Je suis obligé. Bon, écoutez, je sais pas. J'ai pas la solution là pour celui-là. On va continuer. J'ai assez fait de tryhard. Là, il y a un petit truc là. J'ai deux chemins là. Le tuyau qui me semble être le bon chemin. En fait, j'en sais rien. Je suis timé là. Ouais, j'avais pas compris le truc. Je
Oh merde. Putain, ouais, c'est un bon chemin là. Compliqué. Ah bon? Je l'ai passé comment tout à l'heure ça? Est-ce que c'est bon? Il y avait un autre, une autre lune ici apparemment. Ok, bon, petit challenge sympathique, mais ça s'est joué à la seconde. Oh non, il y a cette merde. Yoshi, es-tu Marie? Hein? C'est quoi cette référence? Alors, faut appuyer doucement sur le dash. Sans lâcher le truc, comment ça? Bon, je vais pas piger, on va voir. Faut que je refasse un dash à la fin quand même. Bon, allez. Il y a peut-être un truc dans ce bloc. Non. Alors, ici. Vachement de cristaux. Oh, il y a un nouveau trompe là. Il a une bonne gueule celui-là. Ah, il y a du vent ici. La sortie qui est là. Ah, il y a deux lunes. Il faudrait arriver là, quoi. Ah ouais, mais en fait je pourrais pas les choper là, c'est derrière des blocs. J'ai quand même envie de voir ce que c'est là. Donc, c'est le plus grand secret de cette pièce. Ok, appuie sur B. Perform. Ok, donc. Appuie sur B sur le sol pour faire le dash et tout de suite après le saut pour faire un super jump. De toute façon, faut que je trouve la porte hein, qui permet d'aller là. Il m'a dit que ce sera donc avec un super jump que j'y arriverai. Voilà, je pensais que c'était peut-être pour revenir. Non, même pas. Merde. Ça revient quand même. On peut prendre appui sur Epic. Il ouvre les yeux. Je sais plus s'il fallait aller à gauche ou en bas. On aurait bien aller en bas. Oh. Secret là. Voilà, faut être précis là. Merde. Ouais, je peux pas faire sur place. Putain. C'est beau ça. Ça me sert à rien. Ouais, ça me sert à rien. Oh non. Ouais, je sais pas pour ce secret là. Non. Salut Sigma, comment tu vas? Ah, par contre
con ça. Ah, il y a un truc là. Faut que je garde le dash. Comment je peux garder le dash là? Oh putain. Oh, j'atterris où? Non, c'est bon. Je trouve un cristal, hein, je pense. Ah, à moins que j'y arrive. Attends. Non, ça marchera pas. Je crois pas que ça redonne pas le dash, le wall bounce. Bon, je sais plus. Je fais de la merde. Un secret quand tu montes dans le côté gauche du mur. Là, là. Si, si, il y a un secret, mais il faut un dash. Et pour monter ici, je suis obligé d'utiliser le dash. Là, je peux pas dasher, là. Mais il y a un truc, quoi. Ah, il y a un cristal. Attends, attends. Ah, par contre, il y a un cristal, là. Oh. Non. Putain. Ah, mais ça me donne qu'un... Ah, je crois que ça me donnait les deux directs. L'arnaque. Ah, ça... T'as le vent, il pousse, hein. J'essaie de prendre appui, là, sur le rebord de droite, mais... Je pense que c'est pas possible. Vaut mieux faire ça, je pense. Ouais, mais super, en fait, ça avance à rien d'aller là. Putain, c'est con, j'ai plus accès aux jumelles. Putain, je fais de la merde. En fait, le vent, il est vraiment violent, quoi. Voilà. Donc là, si je fais pas le con, hop. Et voilà, c'est raté. Oh non, mais c'en est que ça se joue à rien. Ok. Non, je voulais pas utiliser le dash. Oh là là. Dans la panique. Ah, c'est cool, j'ai réapparu là. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Bon, bah, par contre, je me laisse tuer. J'ai encore des souffrances, un petit peu. Mais il est vraiment excellent. Merde. Putain. Je tente des choses, hein. Bon. Il y a un P ici. C'est ça le super secret là peut-être? Il y a une porte qui est apparue là quelque part. Bon, j'ai la flemme de chercher. Ah non, de toute façon non, on a passé l'écran là avec le super secret. Et puis ça reste enfoncé en fait. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, y a pas de. Si, à gauche? Non, je croyais. Hein? Non, sérieux, faire un truc comme ça là? Oh, oh, ça va être l'enfer. Non! Ah, y a un trou en haut là, non? Attends. Oui. J'ai besoin de 10 pièces. Ah bah voilà à quoi servent les pièces. Ça devient payant, quoi. Merci. Ah, je suis encore dans un challenge sans checkpoint.
jeu a été trop généreux avec les checkpoints. Et maintenant, on revient donc dans un style old school. Eh bah super. Est-ce que tu veux voir la récompense? Eh bah, traverse la porte à droite. J'y vais direct sinon. Attends. Waouh! Ah ouais! Ça vaut le coup ça, non? Oh putain, mais la méga lune! Énorme! Oh! Tout refaire! Ah, oh, j'ai pas vu ses pics. Ah non, j'étais trop loin. Il va être bien ce challenge, je sens. Quoi? Ah oui. Ah. Faut vraiment le prendre par au-dessus. Ah! Je suis passé à moitié à travers. Ah putain, mais pourquoi je les vois pas là, ces pics? Ou bien ils sont super sombres. Attends, je peux prendre appui sur la... Oh, j'aurais dû essayer tout de suite quoi. La petite barre verte là. Je sais pas, il y a des plateformes où tu passes à travers parfois et... C'est que c'en était un celui-là. Ah non, je peux prendre la pute. Oh putain, j'ai foiré le saut. Ah! Et au fait, tant que j'y pense là, j'ai. Parce que encore une fois, j'ai des soucis avec mon micro. Qui était hyper bas tout ça. Là, j'ai monté pas mal de choses. Est-ce que ça va niveau son ou est-ce que j'ai la voix saturée? Normalement, c'est bon quoi, mais. Je me méfie avec les mises à jour maintenant. Je sais pas ce que ça a fait là. Le P là. C'est quoi en haut? Y a rien. Ça vous va, ok. Bon, nickel. Je sais pas comment on revient là. Normalement, c'est un peu plus fort qu'avant. Oh, c'est timé. Oh putain. C'est ça là, ce truc. Non, ah oui, je peux pas l'utiliser. On va pouvoir se speeder pour aller à droite, à gauche là. Ce qui me paraît logique. Non, j'ai oublié. Enfin, j'ai plus de voix maintenant. Ah le con, c'était enlevé là les blocs? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai l'impression qu'il y a... Putain, mais pourquoi ça s'est pas enclenché là? Ok, c'est bon. Oh le con, c'est bon. Putain, je suis galère. Oh, il y a 10 minutes de ça, j'ai baissé le volume car ça a monté d'un seul coup. Ah, il y a le son qui est monté d'un coup. Alors ça c'est bizarre par contre. Ah bon? T'as le son qui varie par moment. Ça serait nouveau, ça. Après, je serais pas étonné. Hein. Avec leur mise à jour à la con, je serais pas étonné qu'ils aient encore fail des choses, quoi. Et là, ça va devenir compliqué à régler, quoi. Où est mon dash, là? Bon, je réessaye encore un peu là ce truc, mais je vais pas rester. Putain, j'ai fait un super sans le vouloir quoi. Je vais quand même en savoir si ce truc. Oh putain, il y a eu un petit rebond sur le bloc. Ça m'a empêché de sauter.
Ah, c'est horrible ce petit rebond là. Ah, ok. Bah, dis donc. Ce qu'ils font en no death, encore une fois, chapeau quoi. Putain, mais je suis juste de la merde quoi. Ouais. Allez, je réessaye 2-3 coups et j'arrête là. Enfin, pour cet écran. Ouais, non, je suis vraiment n'importe quoi là, ça va faire que de la merde. Là. Bon, bah, dernier coup. Apparemment, j'y arrive plus, ça. Putain, mais. J'avais fait en... bien à gauche, ça fait une diagonale, quoi. Oh oui! Oh. Alors, ça fait quoi ça? Putain, l'enfer quoi! Super lune! Ça a dû m'ajouter pas mal de lune, hein. Je savais pas combien j'en avais, mais je suis à 26. Merci! Continuez. C'est bon, c'était un peu plus détente là. On y croit. Oh la vache! Putain! Je suis passé, mais... limite. Donc un interrupteur en haut qui va ouvrir sans doute cette porte. Est-ce que c'est timé? Je sais pas. Super. Merde. Attends, c'est quoi le truc? Ah, j'aurais dû taper dans le bloc, je pense. Attends, il m'a remis comme ça, là. Hop, voilà. Ah, sympa ça. Oh, le con. Ah d'accord, ok ouais. Je vois l'ambiance quoi. Ça marche là. Comment ça marche là? Ah, faut que je le provoque. Non, comme ça. Allez. Ouais, ok, c'est ça. Merde. Non. Oh putain. C'est bon. Il y a un secret là, c'est sûr. Attendez. Ah, il y a un bloc au moins là. Voilà. Ma pièce. Ah, un autre QR code hein, pour ceux qui veulent essayer. On dit rien cette musique. Bon, je suis pas resté longtemps. Encore un hub là, la Super Metroid. J'ai juste un info bloc. C'est pas comme si je pouvais tirer des lasers ou autre chose. Ok, bon, petit délire. Tu veux voir la map un peu là? Attends, si c'est pas. C'est pas toute la map là? Oh, la musique. Musique d'origine de Metroid. Énorme. Oh, ils ont fait les bulles! Ça redonne le dash également. Ah ça ils ont fait comme dans Céleste. Hein. Cette fois les éclats, faut pas mettre le pied au sol sinon ça réinitialise. Alors. Voilà.
Ok, ça marche, Hibrinator. Bonne soirée à toi, repose-toi bien, et à une prochaine. Et pour les ovnis, non. Ça a l'air grand là. Alors les bulles rouges. Propel you, je sais pas ce que c'est dire propel. Ok, d'accord, ok, non. Ça doit être les bulles rouges comme dans Céleste, c'est-à-dire. On est envoyé dans une direction et il faut sauter pour sortir de la bulle quoi. Pas comme les vertes en tout cas. Les vertes qui normalement sont bleues dans Céleste. Ouais putain, ouais, effectivement ça va très vite hein, quand même. Alors les lunes ça permet d'avoir, tu vois en bas là, à côté de Mario t'as une étoile et t'as deux petites croix juste à côté, donc ça permet d'ouvrir des slots on va dire pour avoir des dashs en plus. Le problème c'est que pour avoir des dashs il faut taper les cristaux verts. Il y en a très peu. Ah ok, ouais, non, je vois le truc. Et sinon, ça te permet également, de ce que j'avais lu, d'avoir des challenges sur la fin. Qui demandent justement un certain nombre de lunes pour pouvoir y accéder, quoi. Si t'en as pas assez, quoi. Si t'as pas assez de challenges, t'as... voilà, t'as ça. Attends, mais je peux pas traverser là. Si, avec un dash là. Ah, si, peut-être. En retombant. Ça va être super limite, mais. Ah, d'accord. Si tu fais pas de direction, ça va en face directe. Vraiment, il y a un truc que j'ai mal lu. Oh putain. Ça a l'air bien relou quand même. Voilà, c'est bon. Attends, j'ai utilisé les jumelles parce que là, cette bulle. Oh putain, mais c'est qu'il y a plein de chemins. Oh, il y a deux lunes là-haut. Salut, route, quand tu vas. Il y a un cristal ici pour te redonner pour que t'aies deux dash. J'en suis sûr, attendez, alors checkpoint en faisant ça. Attends quoi? C'est le bon chemin ça vraiment? Non. Ah putain! Non, ça c'est ça, le bonus là, on est d'accord. Oh, j'ai envie de me tenter ça là. Aïe! Super, j'avais pas vu que ça avait merde. Ça m'a remis là. Alors, c'est peut-être le bon chemin, ça. Putain, c'est le. Ah, c'est des trampolines. C'est le logo de Smash Bros. Ça. C'est les bumpers en fait de Céleste. Par contre, j'ai pas de réflexe là. Voilà. Donc avec des géométries, ok, juste marche à droite, marche droit quoi. Bon là c'est cool, j'ai eu le truc. Par contre j'ai l'impression que là c'est le bon chemin en haut. Pourquoi tu veux pas à droite? Voilà. T'avais oublié de la... Ah. C'est triste. Y'a pas de soucis. Mais... Ah oui non mais c'est le saut. Oh le con. Oh non, ils m'ont mis où? Non c'est bon. Attends, déjà j'ai envie de voir ça là, il y a un truc ici. Oh putain, le wall jump. Enfin, le wall bounce un peu exagéré. Putain, mais ça marche de là quoi. Je suis obligé de sauter, faire ça. Non. Je l'ai touché tout à l'heure. Il faut le faire au dernier moment en fait. Et là, je suis obligé d'avoir les deux dash, quoi.
Oh, faut que je reste dans les airs. Attends, mais comment c'est faisable en fait son truc là? Mais c'est pas possible. À moins qu'il y ait de cristaux là. Comment tu peux avoir ce cristal sans utiliser de dash pour reprendre ça? Parce que si tu vas tout droit, ah, tu vas à gauche, et là tu sautes. Oh, je vais me prendre la tête là, je vais mettre 15 ans pour arriver à faire ça quoi. Oh, oh ouais, non, ça va être infâme. Sauter dès que tu sors du truc quoi. Bon, je retente un coup. Ah, oh, ils me font apparaître là. Tiens. Pourquoi ils l'ont pas fait tout à l'heure? Non. Putain. Ok, c'est bon. Ok, je me suis gouré de boutons. Non. C'est pareil. Merde. C'est l'enfer ton jeu. Un petit peu. Un petit peu, mais je prends plaisir quoi. J'ai mal à comprendre les mouvements du coup. Bah c'est ceux de Céleste, mais parfois avec des petits changements quand même. Mais c'est très Céleste quand même. Switch de perso, il change juste de couleur. Non, quand, en fait quand je change de couleur, c'est que j'ai un dash. Yes! Putain, plaisir. En fait quand je suis là, tu vois, je suis en Mario... Normal, c'est que j'ai un dash, si je l'utilise, je deviens bleu ciel. Et quand j'étais en blanc, je crois que j'étais en blanc tout à l'heure, c'est que j'avais deux dash. Enfin voilà, c'est la couleur, ça représente le nombre de dash en fait que tu peux faire. Comme les cheveux de Madeline, sauf que là, c'est avec la salopette de Mario quoi. Aller à gauche. Ah, j'ai dépensé du pognon là. Oh, putain, il y a des éclats partout là. Oh, il y a un champi là. Je sais pas ce qu'il fait lui. Donc faut ouvrir cette porte. D'ailleurs, il y a que le champi. Je vois pas l'interrupteur. Par contre, il y a énormément d'éclats là. Ah, vous me dites tout ça que j'aime bien ce genre de jeu, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus précieux, l'endurance ou le dash? L'abondant, le plus précieux. Oh putain, ça va être l'enfer quoi. Ah, y'a rien qui me blesse à part donc. Non, y'a rien qui me blesse. C'est vrai qu'il y avait vachement de pics avant. Alors attends, normalement si je fais ça... Ah putain, je crois que c'est quoi ça là? Ça a rien fait là le... Bon attends, ça va être tendu par contre de tous les avoir sans toucher le sol. Précis de ouf. Ouais. Moi, je sais pas si je vais le faire, ça. Attends, est-ce qu'il y a un truc, là? Non, il y a rien. Mais est-ce que c'est obligatoire? Je suis en train de me demander. Je passe pas, là, si, comme ça. Ah merde. Putain, c'est chaud. En même temps, je sais pas trop où ils sont là. Faudrait vraiment connaître l'écran quoi. Sinon, il y a un chemin là.
Ah, c'était pour la méga lune. Ah, c'est tentant, mais bon. Putain. Faut tellement calculer ses sauts. Non. Je sais pas par où commencer en fait. Peut-être commencer, je dirais, par là. J'ai le droit d'utiliser les dash. Je suis en train d'y penser. Oui. C'est bon. C'est vrai, depuis tout à l'heure, en fait, j'utilisais pas les dash, mais en fait, j'avais vachement le droit. Putain. Vraiment, je me complique la vie, parfois. Hein. Il faut le suivre, hein, je pense. Vite, descends. Ah, putain, j'ai... hésité à sauter, j'aurais dû. Non, ça c'est nul. Ça aussi. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Putain, j'ai fait où? Putain, j'ai refait la même. Ok, mais j'oublie d'appuyer sur le saut en fait. Je bug à cet endroit, c'est bizarre. Hein. Il y a vraiment des passages où je me mets à bugger, mais total. Ah voilà, merci. Par contre, je sais pas si je peux passer. J'ai l'impression que j'avais un plafond de merde là. Fallait où? Hein? Bah, fallait aller où alors? J'ai pas compris là, attends. Ça, faut y aller direct à droite. Hein. Faut pas revenir à gauche là. Comme je fais, sinon on perd en hauteur. Voilà, là c'est mieux. Gauche. J'ai fait gauche. Mais sans doute en retard hein, quand je dis ça. Ouf. Putain, c'est long. Allez, c'est bon, je commence à faire de la merde. Hop. Voilà, la même connerie que tout à l'heure, putain, attends, faut que je me pose, quand je fais ça. Attends, vous êtes toujours sur le délire des aliens. Et putain, mais pourquoi ça marche pas, là? Je l'ai bien fait avant, quoi. Bon, ça y est, bah c'est parti, hein, ça va encore durer un sacré moment. En fait, il pète la plateforme, j'arrive pas à voir en bas à droite, je peux pas en fait, je peux pas voir ce qui se passe, quoi. Je suis trop focalisé sur les mouvements à faire, j'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. Hein. Il me pète la... Si, si, là je viens de voir, il me pète l'entrée en fait. C'est ça, grosso modo. Donc faut que j'aille vraiment vite, quoi. Voilà, genre ça, quoi. Putain, c'était le bon chemin. Vache. C'est abusé, quoi.
t'as pris Gravity Circuit, fini. Ah bravo, putain, tu l'as déjà fini quoi. C'est comme du Mega Man Zero quoi. Oh bah tant mieux, mais t'as été rapide hein. Ah cool, change de musique. Ah c'est Dream Block. On passe à travers là et hop. On regagne un dash. C'est cool ça. Ah oui, faut bien le faire là. Heures pour le 100%. Ah ouais, putain, t'as assuré quoi. Et alors, c'est compliqué. Enfin, c'est assez difficile. Attends, c'est la même chose ce que je viens de dire. Ah bah tiens, encore un QR code. Je testerai ça. Hein. Ah, à moins que le scan, ça fait le scan du QR code quoi. Ah ok, donc là ils sont en train de parler que quand on sort d'un Dream Block, si on s'accroche en faisant une diagonale arrière, on s'accroche dès la sortie du Dream Block quoi. Et on peut également sortir, enfin sauter dès qu'on sort d'un Dream Block. Bon, c'est vraiment comme Céleste. C'est exactement la même chose quoi. Donc, par exemple, si je fais ça, ouais voilà. Non, attends, calme-toi. Putain, attends, ça s'arrête pas totalement quand même. Oh, il y a un petit temps de latence. Attends, lui, je vais le prendre. Je pensais qu'il est sauté plus haut. Enfin, la verticale, c'est pas ouf. C'est à l'horizontale où ça part vraiment bien. Ah, bah attends, il y a un truc là. Hop. Ça va être le bon chemin, ça. En fait, si j'ai bien compris, Panda, c'est que quand je fais le scan, là, ce truc-là, où il y avait le QR code, ça me lisait le message. Alors peut-être que ça sert à ça. Bah après, ça t'a quand même amené sur quelque chose. Donc c'est curieux, mais il y a plein de chemins, là. Ça, ça se trouve. Oh là, ça devient de labyrinthe là. Ah bah tiens, si tu veux te faire plaisir. Et j'en trouve plein là d'un coup. Alors si je scanne, tu vois, ça me l'écrit quoi. C'est facile d'oublier qu'en sortant d'un Dream Block, bah ça redonne le dash effectivement. Parfois avec les sorties. Ouais, sur les sorties. Parfois des pics et c'est mieux de redasher, sans doute pour éviter quoi. Voilà, les experts ils sont gentils. Voilà, on peut sauter en sortant des Dream Blocks, moi c'est ce que je fais tout le temps en général. Alors que les vrais skills, enfin ceux qui ont du skill, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à être sur les pics sans se blesser quoi. Coyote Time. Coyote Time, c'est quoi? C'est une petite phase d'invulnérabilité. Voilà, putain, ils vont trop loin là pour moi. Je suis pas sûr qu'il y ait des boss. Ça me dit rien ça. Ah ok, donc là en appuyant sur le switch, c'est ouvert pour de bon quoi. Ça c'est cool. En même temps, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. C'est à dire que si je reviens. Mais je sais pas, il y a 50 chemins, non, je vais continuer là. Bon, c'était un peu con. Chemin là. Oui, il y a un chemin là. Ah bah, hop, voilà. Attends, il y avait une lune là. Ah oui, mais non, c'est le tuyau qui va dans l'autre sens. Non, je peux pas les atteindre tout de suite. Oula, putain. Tu vas invoquer la mort là. C'est Evil Dead là, ce que tu nous fais là.
Oh là, putain, mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est inquiétant. Hein. Bien appuyer sur le saut en sortant. Ah putain, faut enchaîner droite gauche. Attends, je peux. Il y a des jumelles? Non, il y a pas de jumelles. Attends, ils font chier quoi. Ah, j'ai plus de d'endurance. Oh! Oh putain, mais j'ai fait le truc d'expert là, je suis pas mort. Merde. Ah par contre, je peux faire ça. Ouais. Ah oui, c'est mieux ça, non? Putain, par contre, j'ai du mal. Lâche. Je sais pas, j'ai du mal à décrocher du mur. Putain, c'est tout con. Oh là là, mais j'avais encore réussi à être dans le coin, là. Putain, mais au secours. Voilà, merci. Ça, c'est pris. Et je pense qu'il faut. Alors, soit faire un truc comme ça. C'est à 10 km le truc. Salut, Ivan Capornia. Quand tu as. Le sujet du bac de philo. Si les amis tombent sur ce message, ils vont nous zigouiller direct. Bon, je sais pas ce que je dois faire ici, là. Parce que. J'ai l'impression qu'il me faut un autre dash, là, ou je ne sais quoi. C'est beaucoup trop loin, quoi. Et un wave dash, ça se passe pas, ça. Non, ça passe pas en wave dash. Bon, je vais changer d'écran, je pense. Parce que là, j'essaie d'aller à gauche, là, mais je crois pas. Non, il n'y a pas de chemin. Je sais pas ce que je peux faire de mieux, là. Ah, là, c'est pas mal. Hop, un petit coup. Oh non, mais c'est ultra loin, quoi. Comment tu veux que je fasse, quoi? Je pouvais pas faire mieux, je pense. Ouais, j'ai raté le saut en sortant. Non, c'est trop. Je change d'écran, c'est pas à peine. C'est pour plus tard, peut-être, hein, mais là, je peux pas. Là. Salut, Tevania. Du coup, on avait activé le switch. Bah, peut-être, c'est pas sûr, hein. Putain, attends, mais comment je reviens en fait? Comme ça? Ouais. C'est vrai qu'il y a ça là. Ça, ce sera pour la bulle rouge. Oh! T'es allé la chercher là? Ça c'est cool. Ouais, enfin je peux pas les avoir en permanence. En fait, les dash, je les ai si je trouve que les si je trouve des cristaux verts là. Mais c'est tout quoi. Tu les gardes pas après. Dès que tu poses pied au sol, c'est terminé quoi. Tu retournes à un dash. Putain, je fais n'importe quoi là. Attends, déjà. Y a rien. Oh la vache, mais ça va tellement à 300 à l'heure. J'ai à peine le temps de changer de direction, quoi. J'y croyais pas, là. Putain, j'ai jamais fait une diagonale en bas à gauche. Putain, ça va super vite, quoi.
Ah ok, donc c'est le même message. Donc là, il y avait un interrupteur en dessous qui m'a ouvert cette porte. Ah, des jumelles. Alors voyons. Oh la vache. Il y a un passage à gauche. Je sais pas comment t'y vas d'ailleurs. Putain, ça fait mal aux yeux. Hein. Serre les bulles là. Pas mal. Merde. Mais comment tu vas? Oh putain, c'est comme ça. Ah, un stage de rythme, ça va être bon ça. Faut timer comme les mouvements avec la musique. Ah ouais, c'est vrai que... Bah non, ils ont pas désactivé la pause. Bizarre. Oh, c'est pour une grosse ligne, donc ça va être bien casse-couille. Ah, il est bien varié le jeu, hein, c'est clair. Ça fait plaisir quoi. C'est la musique d'R-Type, je reconnais pas. Là t'as un stage que j'ai oublié. Oh, putain. Ah j'avais plus de dash, oui, je l'ai utilisé. J'y arrive plus là. Oh, putain, au pire moment. Allez. Sympa là, j'aime bien ces stages là. C'est bien sympa quoi. Merci. Après c'est clair qu'il faut aimer hein, ce style de niveau. Hein. Si t'as pas trop le rythme ou que t'aimes pas trop ça, ça peut être vraiment horrible quoi. Donc ça c'est pour revenir. Attends, il y a peut-être un petit truc, non? Putain, là c'est un peu au pif là, parce qu'il n'y a pas de jumelles. Donc c'est en haut à gauche. Je sais pas s'il y avait un chemin. Est-ce que t'es prêt? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, je crois que c'était un scrolling automatique.
là, c'est quoi cette ambiance? Oh putain, y a Badeline. Oh l'enfer. Ah c'est la musique ouais de c'est Mario Sunshine en fait là. Oh y avait une bulle. Yes. Non c'est bon, ça c'est fait. Donc ça, que c'est Badeline dans Céleste, c'est le personnage qui te suit, qui te colle, et qui fait exactement le même mouvement que toi en fait. Ah merde, c'est une diagonale. Bah, il apparaît pas là, non. Mais putain, il apparaissait pas là au début. Donc faut essayer de temporiser par moment pour avoir le temps de passer. Faut revenir. Putain, ça se finit jamais quoi. Non. Ah voilà, j'ai plus de dash. Je suis baisé. Ah. Eh merde. Non, c'est en bas, putain, le con. Ça a l'air de continuer, putain, ça va être dur de vous lire là, attends. Mais apparemment ça se calme au début. Ok, à force de tuer autant d'ennemis, évidemment que Mario est dépressif, il a un stress post-traumatique. Parce que, ouais, évidemment, il y a d'autres sensus là. Putain, je sais pas où aller. C'est par ça. J'ai plus haut que ça peut-être. Voilà. Quoi? Ouais, je vais enchaîner sinon, mais ouais, faut enchaîner, je pense. Ah putain. Mon dieu. Attends, faire quoi là? Je réfléchisse là, attends. Putain, je suis pas mort. Vite. C'est quoi là? Faut faire quoi là? Merde. Oh, c'est quoi ce saut? J'ai jamais voulu faire ça. Oh non. Oh, c'est abusé. Pas après tout ça quoi. Fallait aller en bas. Attends. Waouh. J'ai pas le temps de voir quoi, putain. Avec l'autre virus là qui me suit. Ah mais je vais au-dessus hein, je suis con, faut aller juste au-dessus quoi. Ah putain, on s'est croisé. En fait, je le fais venir un peu trop vite. Comment je pourrais temporiser ce con? Non, faut juste. Non, c'est juste de la vitesse quoi. Putain, j'ai fait droite. Non, j'ai oublié. Attends, mais comment tu. Non, j'ai refait la même. Je suis obligé de sauter, je suis obligé de sauter pour être assez haut. Ouais mais putain, je mets 15 ans quoi.
Attends, je peux faire gauche après? Ah ouais, faire gauche-droite après. Ouh, cette lune, elle va être compliquée, je pense. Hein. Je pense qu'il faut que j'enchaîne, hein. Faut pas que j'attende de redescendre. Sinon, je vais cogner l'autre, quoi. Ah putain, il a faire gauche-droite, haut. Oh. Ah, cette exécution, quoi. Non, j'ai fait droite. Enfin, haut droite. J'espère que vous appréciez bien la musique. Hein. Ah putain. Ouais, faut des réflexes là. C'est bon. Ah, elle est cool la musique, quoi, mais. Un peu stressante, quoi. Ah, j'avais plus de dash. Oh non. Attends, je sais pas ce qu'il faut faire. Putain, mais si au moins il y avait des jumelles. Je fasse diagonale bas droite et haut. Merde. Voilà, c'est mort. Ouais. Faut que j'aille plus haut que ça. Attends, mais putain. Des petites jumelles là, ça aurait été bien quand même. Hein. Parce que là, putain, c'est super hard à anticiper, quoi. Assez longtemps. Putain. Oh bah sympa. Ah mais ils vont compter la lune. Ah nickel. Ah, j'ai plus de dash. Putain. C'est quoi ce bordel? Faut aller en haut à droite et ensuite. C'est hard. Hein. Non, faut pas que je m'accroche. J'ai raté le saut. Putain, je sais pas. Je sais pas, putain, c'est juste tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. La lune est chou à choper, là. Merde. Comment je vais faire avec l'autre con là? Bon, c'est un truc comme ça. J'ai chaud. Oui, mais. Fallait aller en haut alors. Oh non. Il y en a plusieurs maintenant. Oh putain, le bordel. Ça marche, Panda. Bah, merci d'avoir été là. Merci bien. De toute façon, moi, je vais continuer encore un peu. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Tu verras, sera rediff, quoi. Enfin, fais-le de ton côté, quand même. Et puis à la prochaine.
bonne nuit à toi et à bientôt. Et merci encore de m'avoir fait découvrir ce jeu. Putain. Et merde. Ouais non. Faut pas. Faut prendre d'une certaine manière là. Ce bumper. Voilà, ça c'est bien. Putain, dépêche. Oh merde! Oh putain, j'étais passé entre. C'était la meilleure occasion. Non. Oh putain, faut pas que je le prenne en diagonale. Ah d'accord. Putain, alors je sais pas du tout comment j'ai fait ce mouvement là. Putain, ça j'y arrive plus. Faut pas. Faut que j'arrive à taper au moins au milieu là pour les trampolines. Enfin les bumpers. Genre là. Putain, mais c'est long. C'est long. Bon, en tout cas, il n'y a pas de secret. Hein ? Oh non. Oh non, ils ont abusé de ça. Non, ça, je sais pas si je vais le faire. Hein. Wow. Et puis je cogne dedans. J'ai oublié de sauter. Je sais pas. Je sais pas où il faut aller quoi. Je crois qu'il faut vraiment enchaîner direct, mais le problème c'est que faut connaître quoi. Ouais, donc là faut peut-être que je me laisse tomber quand même. Oh putain, ouais, c'est chaud là. Je vais peut-être éviter là les. C'est que là, je sais les directs là. Genre là, là. Merde, c'est pas fini. Je pensais que c'était la sortie directe ça. Remarque, attends, c'est pas trop mal. Je crois qu'il y a peut-être moyen de tous les avoir, mais il faut commencer. Suite droite là, et essayer de monter tout de suite en l'air quoi, mais avant que les autres arrivent. Mais je sais pas si c'est faisable en fait. Si. Ouais, mais là je sais pas. En fait je sais plus après quoi. Parce que c'est la forme. J'ai pas le temps de voir. En fait j'ai vraiment pas le temps de voir le labyrinthe là. Non. Oh oui. Putain. Alors, donc les éclats de lune dans ce stage sont purement optionnels. Je suis pas obligé de le faire. Ah putain, ils sont combien là? Merci. Ah merde, c'est le saut, c'est vrai que c'est le saut pour sortir. Il y a un truc en haut là. Bon, vas-y, laisse tomber. Merde. Oh là là. Putain, avec tous les morpions qui te suivent là. Au secours quoi.
C'est un éclat en haut. Je suis pas sûr que ce soit le chemin. Putain, ça y est, j'ai plus le timing. Pas dasher. Putain, mais ils sont trop nombreux. Super. Super, dans le bon sens, quoi. Non, putain, bah ouais, mais j'ai paniqué là. Putain, t'as pas de répit quoi, c'est horrible. Oh, d'accord. Je crois qu'il y avait une bulle là, mais apparemment non. Ouais, c'est bon. Non. J'ai fait gauche. Oh, putain, mais t'as une demi-seconde quoi pour réagir. C'est horrible. Putain. J'ai un peu attendu longtemps là. Oh, putain. Bon, je suis désolé, hein. Je fais vraiment de la merde. Il y a des moments où ça passe, des fois non. Je l'explique pas trop ça. Bon, je vais dasher, je vais assurer le truc. La gauche. Oh, putain, bon vas-y, laisse tomber. Ça m'a saoulé là. Je sais pas où faut aller là. Là ? Ah ouais, mais quand tu connais pas, bon écoute, ouais, tant pis pour les éclats là. Ça me saoule quand tu peux pas savoir le chemin qu'il faut prendre quoi. Ils auraient dû foutre des jumelles au début là. Je trouve ça lourd là, de die and retry où t'es obligé de retenir. Enfin, tu sais pas ce qui t'arrive quoi. Ok, bon, ça aussi c'est chiant. Attends, de quoi? Merde, attends, je te lis après la mort. C'est chaud. Il y en a un de plus à chaque fois que tu passes un tuyau. Ah, des... Ouais. Des virus, là, ouais. Il y en a vraiment beaucoup, là. Je peux aller, là? Ah ouais, mais non, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas mon objectif, là. L'enfer quoi. Je les ferai plus tard là, les grosses lunes là. Mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet enfer là. Ah, déjà je suis obligé d'utiliser le dash là. J'ai tenté un wave dash mais... Ouais, ça sert à rien en fait. C'est pas mal ce que j'ai fait sans le vouloir. Faut que ça cesse là. Ah, c'est bon. Ah bah, W7... Ah bah c'est les crédits de fin là. Ah bah on est à la fin. Ils sont quand même plusieurs, hein, mais c'est W79 qui était donc qui dirigeait la chose. Quoi. C'est quoi ça? C'est un arbre? Eh ben. Ah merci. Putain, je pensais que c'était pas encore fini, quoi, qu'il restait pas mal de choses. Après, j'ai pas toutes les lunes, quoi, mais bon. C'est déjà bien, je pense, que j'ai fait. Donc voilà, j'ai réussi à atteindre le sommet. J'ai réussi à me battre aussi mes ombres, là, ceux d'avant. Voilà, le texte, il défile vite.
Je peux me déclarer en tant que dieu, quoi. Rien que ça. Ah merde, donc là, il m'appelle pour un autre. Bah, je pense que c'est ça, là. Ça va être là où il va me dire. Donc là, je pourrais continuer à jouer pour collecter les lunes. Et c'est peut-être le New Game Plus, enfin le truc avec les lunes, là. Il y a plein de portes. Super Moon Challenge World 3. Donc encore les ombres. Oh là là. Ah ouais, le challenge, donc c'est de réussir. Sans doute la map, mais sans mourir une fois. Il me faut 40 lunes. Je suis même pas sûr de les avoir. J'en ai 48. On va voir un peu les autres. Traverser donc les grottes sans crever. Oh non, mais là c'est des challenges. C'est taré là. Scales quoi, escalader les montagnes, ça veut dire ça. Sans crever. Mais c'est que des trucs no death là, vraiment. On va sauvegarder là. Du coup, fais voir la map là. Mais par contre, le truc c'est qu'il y a plusieurs morceaux de map normalement. Parce que là, c'était pas comme ça au début. Voilà, on peut ressortir. Par contre, c'est chiant. Faut appuyer à chaque fois sur une direction pour déplacer d'une case. Tu peux pas laisser appuyer. Ok. C'était quoi ça? Spiky Challenge. Oh, aïe aïe aïe. Ça a l'air chaud, ça. Et lui... Ah, les B-sides. Donc on fait un peu bah, les stages qu'on a fait, mais en plus dur, quoi. Ah, il faut 60 lunes, je peux pas. Je vais voir, là, juste vite fait, là. Allez, pour voir, hein, je vais... C'est la bise de gaille, quoi, vraiment, quoi. L'enfer sur terre là, ce challenge. J'ai rien que ça, rien, ça se trouve je pouvais sauter au-dessus. À gauche. Ouais, je sais pas si je vais le faire ça. Faut le courage quand même. Déjà d'avoir fini le jeu, ça m'a suffi. C'était pour voir, mais putain, mais il y a des acharnés qui ont dû faire ça, quoi. Ah, je suis passé. Ouais, putain, et puis alors, je sais pas la longueur du truc, hein. C'est que le début, ça. Ouais, c'est tendu, quoi. Et juste, je voulais voir un truc. C'est donc... Bon, alors là, je suis obligé de bourriner. Là, je vais là. Et si je prends le tuyau, normalement, je change de zone. Ouais, c'est ça. En fait, t'es obligé de faire ça. Normalement, les points, c'est ceux que j'ai chopés, non? Si c'est comme dans Super Metroid. Ouais, celui-là, je les avais pris, donc c'est ça, ouais. Il y a des autres que j'ai pas faites. Ça, c'était le début, ça, ou pas? Ouais, ça, c'était le début. Ok, donc il y a 3-4 zones comme ça. Non, franchement, il est pas mal, hein. C'est vraiment... c'est assez complet, quand même. Pas mal à faire quoi. Tu devrais faire Battle Kid 1 et 2 sur NES, des sortes de Mega Man, mais tu meurs en un coup. Et c'est de la plateforme précision, putain, ouais. Mais... Ça doit être. Bah, deux noms. Je sais. Ouais, non, je saurais pas te dire si c'est. C'est un gars avec une épée là et un bouclier, mais je suis pas sûr que ce soit ce jeu là. Mais ouais, c'est un jeu, bah là, faut. Sur YouTube à la rigueur. Parce que là, il y aura forcément des coupures quoi. Ça a l'air trop l'enfer. Bon, bah écoutez, en tout cas, bien sympa ce Céleste Mario. Vraiment, très très bon boulot. Je vais réussir de mon côté, je fais les lunes. Peut-être pas tout de suite, quoi, mais juste pour le challenge. Parce que là, j'en ai combien, là? J'en ai 48, je sais pas combien il y en a, en tout. Je sais pas combien il y en a, et puis voilà, quoi. En tout cas, ceux qui aiment bien Céleste, je vous le conseille. C'est quand même chaud. Il y a des passages très chauds, mais ça se fait encore. Faut juste pas trop s'énerver. Et ça, c'est moins évident. Enfin bon, on verra quoi. Ah, il l'avait fait. Bah, tu m'étonnes, je pense qu'il a bien souffert. Ouais. Vu ce que tu dis, ça a pas l'air très facile quoi.
C'est juste dommage qu'on peut pas avoir plusieurs dashs dès le début, à moins qu'il y ait des options, mais je crois pas. C'est vrai que j'ai ça aussi pour scanner les secrets. Bref, bon, écoutez, je vais aller sur la pause.